Allumage. Appuyez sur le bouton de mise en marche. Purge automatique. Assurez-vous que le patient ne soit pas connecté au dispositif. Appuyez sur plus, puis sur le bouton vert pour démarrer la purge. Appuyez sur le bouton vert si vous voulez arrêter la purge. À la fin de la purge, assurez-vous que le tube soit bien rempli et ne contienne pas d'air. Puis, appuyez sur le bouton vert pour commencer à programmer la pompe. Programmation du débit. Choisissez le débit en utilisant les boutons plus et moins. Et validez en appuyant sur le bouton vert. Programmation du volume. Appuyez sur moins pour vider la poche de nutrition. Appuyez sur plus pour régler un volume. Choisissez le volume en utilisant les boutons plus et moins. Et validez en appuyant sur le bouton vert. Confirmation de la nutrition. Avant confirmation, vérifiez les paramètres de la nutrition qui ont été rentrés. Appuyez sur le bouton vert pour démarrer la nutrition. La nutrition est maintenant en cours. Pause. Maintenez le bouton vert pour mettre la pompe en pause. Appuyez sur plus pour changer le débit ou le volume. Programmation du débit. Choisissez le débit en utilisant les boutons plus et moins et validez en appuyant sur le bouton vert. Programmation du volume. Appuyez sur moins pour vider la poche de nutrition. Appuyez sur plus pour régler un volume. Choisissez le volume en utilisant les boutons plus et moins. Et validez en appuyant sur le bouton vert. Confirmation de la nutrition. Appuyez sur le bouton vert pour démarrer la nutrition. La nutrition est maintenant en cours. Arrêt de la pompe. Maintenez le bouton vert pour mettre la pompe en pause. Maintenez le bouton d'allumage pour éteindre la pompe. Reprendre une nutrition non terminée. Appuyez sur le bouton d'allumage. Appuyez sur le bouton vert. Appuyez sur plus ou moins pour choisir de reprendre ou non la nutrition. Puis, validez avec le bouton vert. Vérifiez les paramètres de nutrition et appuyez sur le bouton vert pour démarrer la nutrition. La nutrition reprend maintenant son cours.